Chers amis internautes, merci de votre fidélité à votre bulletin d'information du Festival Kaye Thiès, un bulletin d'information qui revient sur l'ouverture du festival. Le premier acte de la première édition du Festival Kaye Thiès s'est joué ce vendredi à la promenade des Thiessois devant un parterre de personnalités dont le gouverneur de la région de Thiès. Après la mise en place des invités, parmi lesquels Miss Sénégal Thiessoise Bontain, la procession des communautés culturelles a ouvert le bal des festivités. Avec la cora, cet instrument majestueux. Merci beaucoup, la fin commence. La cal. Avec l'Afrique debout, une Afrique forte, une Afrique qui montre la paix. La culture, Sambama, les langues Alcola, toutes les cultures seront mêlées. Wow, Monsieur Talé Silla, c'est leur nom, nous sommes à Galen. Après l'installation des communautés culturelles et des lutteurs, ce fut le marabout Serigne Asbaro Ndiegen qui a formulé des prières pour ainsi bénir le festival. Suivi de l'hymne Thank you.
fresque historique de jazz par les artistes de l'Arcoche. Quel plaisir de circuler à l'ombre de ces caissettes centenaires. Ah, on boire un bon café. Café Trouba ou café France? Les deux. Les deux, comme ça. Comme Trouba, comme Trouba. Venez les deux. Yo, guy, yes, guy. Yo, guy, yes, guy. Yo, guy, yes, guy. 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 L'avenue Annie baptisée, rue sans soleil. Chess, une pure rebelle. Il n'est pas facile d'être chessois. Car il est caractérisé par son intelligence et résistance. Benedek Nyarigal. Chess, ville lumière. Carrefour de la culture et des arts. Ben deuk ñaari gar ak ben aéroport Oubesta manier. Le ballet Lampe Fall de Medina Fall. La prestation du comédien Cherset ont tenu en haleine pendant plusieurs minutes le public. Ce fut ensuite au tour des discours avec d'abord la directrice des affaires culturelles de la mairie de ville, Aline Badr Bey, présidente de l'Association des écrivains du Sénégal, invitée d'honneur du festival, s'est réjouie de l'initiative Kay Thiès. Le maire de la ville, Talla Silla, initiateur du festival, a rappelé les objectifs recherchés à travers le volet culturel du concept Kay Thiès. C'est à partir de ce moment seulement que le gouverneur de la région de Thiès, Amadou Sy, a lancé officiellement le festival Kay Thiès. Moi, je déclare au nom du ministère de la Culture ouvert le festival Kay Thiès, première édition. Je vous remercie de votre attention. Le dernier acte de la matinée de lancement du festival fut l'inauguration par le maire et ses hôtes de la fresque murale réalisée par les artistes peintres de l'ADAPT. Voilà, on a aussi voulu montrer, on peut intégrer la dimension sportive. C'est pourquoi on a montré des athlètes qui sont en mouvement pour montrer qu'à partir du festival, on peut faire transformer. Le festival, la ville est un offre économique pour faire venir les gens. Voilà donc tout, chers amis internautes, pour ce deuxième numéro du bulletin d'information du festival Kay Thiès proposé par votre site silweb.com qui vous donne rendez-vous prochainement.